prête à aller travailler. Ma dernière journée, puisque nous ne sommes pas considérés comme, comme essentiels. Donc, ça sera la troisième fois pour nous le confinement. Donc, j'espère que on ne subira pas un quatrième, parce que sinon, je pense que ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous... En plus, ça faisait un moment que j'avais pas posté, hein, je suis désolée. Je vais profiter de cette dernière journée compliquée, parce que je vais vous faire découvrir ma journée de travail, mais aussi la fermeture ce soir pour 4 semaines, voire plus, hein, parce que avec M. Castex et M. Macron, jamais trop à quoi s'en tenir. Et puis j'espère que ce sera la dernière fois qu'on ferme, hein, parce que je sais pas ce qu'ils appellent par non essentiel, en sachant que là je viens d'apprendre que finalement les coiffeurs peut-être pourront rester ouverts, qu'il y aura une liste éventuellement de magasins qui pourront rouvrir. Donc écoutez, qui a le droit d'ouvrir et qui n'a pas le droit d'ouvrir. Ce qu'on va faire, c'est créer des tensions entre les commerçants. Et puis surtout, dites-moi, c'est quoi ce confinement? Parce qu'au final, avant, on avait le droit de travailler, mais jusqu'à 18h. Aujourd'hui, on est confiné, mais on a le droit de sortir jusqu'à 19h. Bref. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve toute la journée de travail jusqu'à la fermeture du salon. Donc... 4 semaines. Coucou, non. Coucou, en fait. Je suis un peu perturbée, je crois. Donc là, j'attends ma cliente qui devrait pas tarder à arriver. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis va vous faire un peu comprendre notre peine et désarroi de devoir fermer. Voilà. Franchement, j'ai eu de la chance. Je m'attendais à un confinement le week-end, mais pas la semaine. Vraiment. Après, moi, quand j'ai vu 7 jours sur 7, j'ai dit, ça sent pas bon. Les écoles ouvertes, j'ai dit, ça va. Et après, vive le confinement, quoi. Super. On aurait discuté il y a quelques années de ça en disant, oh, tu vas voir, il y aura ça, il y aura ça. On aurait dit, ouais, c'est ça, allez, n'importe quoi. Mais apparemment, ça existait déjà en 2013. Ah bon? Ouais. Ça existait déjà en 2013. Je l'ai vu, ça tourne sur Facebook. C'est France 3 qui l'ont mis. Mais c'est bizarre, parce qu'en 2013, on n'en a jamais entendu parler. Non, moi, je m'en souviens pas, ça. Tu chier, quoi. C'est ça, c'est vrai, en plus. Hein. Là, ça devient fatigant, en fait. Salut ta télé, on n'a pas le coronavirus. Tu changes de chaîne, on parle vaccins. On parle coronavirus. Mais c'est ça. Le monde tourne autour du coronavirus. Ça nous hante. Moi, ce que je dis... Non, je vais saturer le téléphone.
et le petit poupous. Hop, hop, hop. On dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle. Écoute. Vas-y, je t'en prie, souffre. Peut-être que celui-là va te faire souffrir un peu. Et il me faut la petite poudre pour fixer l'effet. Ah, la drogue. La drogue. La drogue. On va couper ça. Parce que... Je renversais toute mon huile à cuticule, c'est génial. Ça va bien glisser par terre. Incompréhensible, c'est que avant tu travaillais, tu finissais à 18h, oh. Et que maintenant tu ne peux plus travailler, mais par contre tu peux sortir jusqu'à 19h. Ouais. Alors, et toi tu te dis 10 km de chez toi. Je sais pas. Mais nous pour faire les cours. La même période, hein, je l'avais dit, hein, qu'on allait être confinés à la même période. Enfin, si on peut appeler ça un confinement. Qu'au final, tu peux aller te promener, quoi. Oh non, mais hier, les j'étais pauvres. En plein... Moi, tu vois, hier, j'étais prête à avoir un confinement le week-end à la rigueur. Mmh. Parce que je me dis, bah, t'as quand même 6 jours où tu ouais, bosses. Mais on n'est même pas passé par ça. Non, non, direct. Je m'attendais à tout, sauf un confinement complet. Vraiment. Ça ne changera rien. Bon, non. Ça va être pire parce que les gens vont faire quoi? Ils vont sortir, ils vont aller se promener, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ouais. En plus, là, pour un mois. Si tu confines, tu confines totalement. Ouais. Comme ça, tout le monde a la même. À la même enseigne. Et puis voilà. Tous les gens, du coup, qui. Ah ouais, vas-y, c'est la fête! C'est comme tu veux.
pourquoi je suis confinée, ouais, pourquoi je ne vais pas bosser. T'as un problème? Vous avez vu une bas? T'as un problème? Bien, c'est pour YouTube. Bon, allez, laisse-moi bosser là! Ça va être bien sur ta vidéo. Putain, heureusement que je coupe, hein, parce que sinon. Hein. Hello, darkness, my old friend. Il a pas bouffé. Que 3 kilos. Vas-y, c'est bon. Turn around. C'est pas grave, on va taper le bras. Coucou! Je vais le mettre. Je vais le mettre, ça. Oh bah tu sais, moi je comprends tout à l'envers aujourd'hui, hein. Ouais, mais ça c'est à cause de Castex, hein. Ouais. Commence à nous péter les couilles. Ah non, c'est que ça fait longtemps. Écoute, eh, on a plus que ça, rigoler. Hein, alors Ça va, je te fais pas mal, là. Non, dommage. Coucou! Bon, écoute, bah, il faut rester naturel. Et bah, écoute, c'est fait. Tout à l'heure, j'ai eu les nerfs, je te jure. Pourquoi? Je crois en plus que je l'ai filmé en plus. J'étais en train de nettoyer et tout et j'avais oublié de ranger mon huile à cuticule. Non, et attends, je croyais qu'il était fermé, je le prends et j'ai tout renversé. Comme ça, c'est bien. Je renversais toute mon huile à cuticule, c'est génial. Je te montrerai après, tout est chaud. C'est bon en plus. Ouais, j'en avais commandé deux. Je me suis dit, comme ça, j'en avais toujours un d'avance. Bah là, l'autre, c'est presque vide. Alors, je vais te repousser un petit peu ton cuticule. Bon, c'est beau, papa. Non. Comment je suis gentille avec mes clientes, hein, c'est dingue. Comment je suis gentille avec mes clientes. Non. Peut-être que celui-là va te faire souffrir un peu. Comment je suis gentil, mais bien. Coucou, c'est Océane du montage. C'est pour vous expliquer ce qui va suivre. Tout d'abord, le téléphone s'est coupé car ça faisait plus de 40 minutes qu'elle filmait et elle ne s'en était pas rendue compte. Donc vous avez perdu la moitié de la pause. Et là, ce qui va se passer dans les images que vous allez voir, c'est qu'en ouvrant son pot, elle a arraché le contenant du gel et l'a collé à son couvercle. Résultat, il était impossible d'utiliser le gel. Allez, je vous laisse rigoler. Bonjour. Après un souci technique, nous revenons. J'ai cassé mon pot. Alors ça, c'est mais fort. Comment? Mais comment est-ce possible? Je peux pas rester en speed c'est, et c'est là que tu vois que t'as pas grand chose dans le pot encore. Mais c'est quoi ça c'est... Eh ben j'en sais rien. C'est le support. Deuxième problème technique. Ouais, t'es contente. Oh, la lumière s'éteint. Mon décontact. Oh bah tiens donc. Là. Bah la prise qui t'a fait. Non, non, c'est ça, ça déconne un peu, ben, tu vois. Ah. Il y a que le. Il y a que la rapprochée. Voilà. Ouais. Oh, oh,
tiens, voilà quelqu'un. Le souci technique. Coucou, c'est toi mon copain. Le souci technique. Oh. Aujourd'hui, il n'y a rien qui... Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'ils ont... ils savent qu'ils vont être confinés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oh. Il fait beau là. Bah écoute, c'est agréable. Maintenant qu'on est confiné, il va faire beau. Hein. Bah. Donc, c'est parce qu'on fait ça toutes les deux. Elle se fout de moi. Non, je n'en serais pas. Je vais prendre ça. Ah oui, Cédric, t'as vu mon pot de maths, comment il a fait? Il est cassé. En fait, il s'est enlevé du truc. Donc, bah voilà. J'en ai un soleil à taper. Où est le soleil? Un peu de soleil ici. Le soleil, c'est moi. Là. Donc voilà, la journée est terminée. Donc bah, comme vous le savez, nous serons fermés pendant 4 semaines. En espérant bah, que dans 4 semaines, on ouvre vraiment. Donc je vais fermer avec vous le salon avec un peu de tristesse quand même. Hein, il faut se l'avouer, même si cette journée, bah, elle a été comme toutes les autres journées. Hein, on a essayé d'être souriant, accueillant pour les clients. Et donc maintenant, on passe à la fermeture.